C'est comme ça que je traite les enfants, moi. Salut YouTube. Alors déjà, un petit truc. C'est une gamme à la Galil, CR56, Amax, pour ceux qui connaissent. Pense à t'abonner, il y a pas mal de monde qui n'est pas abonné. Et aussi, si tu peux, à liker, commenter pour le référencement, pour qu'on monte la chaîne. J'ai des grands objectifs avec YouTube, les 100 000 abonnés rapidement, les 200 000. Je compte sur vous les gars pour m'aider, cette game est incroyable. Bon visionnage, peace. Salut les ultras, c'est Didier. N'oubliez pas que vous pouvez trouver toutes les classes de show sur son site. www.lordshow.fr, bisous. Du coup, on va prendre le spawn d'un mec vraiment nul. Nul à chier même, on peut dire. Et je pense à EG en disant ça. Vas-y, on va atterrir là. On va prendre la voiture, les gars. Parce que quand je vois que la première loupe, elle est partie direct à 200 mètres, on va prendre la voiture. La patification, chat. La patification. Ah, pat. Chat, on vient de se faire patifier. Est-ce que certains d'entre vous ont suivi un peu les actus BDS dernièrement? Si certains d'entre vous ont suivi, ils ont pu remarquer. C'est comme ça que je traite les enfants, moi. Et oui, vous avez suivi BDS champion, chat. BDS champion, the major. Je suis trop content. Et moi je suis l'ambassadeur, les gars, de BDS. Je suis fier d'eux, putain. Et merci Pat. Merci pour les 100 sub gifts toi aussi. Et je passe une soirée folle, gros. Je me suis fait beaucoup stream hack, beaucoup de hasard négatif. Et on s'est battu, Pat. Comme tes poussins. Je me suis battu. Et au final, je leur ai foutu une branlée à cet ocar. Juste avant que t'arrives, il y a une petite 24 kills qui est tombée. Et là, cette game, je vais la win aussi. Et juste avant, je vais montrer la puissance d'un spray Galil. 24 kills énervé effectivement. Merci Kay pour les 2 mois. Boom. C'est quoi ce délire? Je vais être obligé de claquer un drone pour savoir où est ce mec. J'ai besoin de reconnaissance sur ma position. J'étais planqué où, gros? C'est beaucoup de choses, toi, non? Il en avait des infos, lui. Je le vois qu'il veut récupérer son... Il tapait, lui, un peu.
Je sais pas ce que vous en pensez les mecs, mais ouh, qu'est-ce qui faisait mal lui? Non, j'ai pas dit Fortnite, j'étais en mode un peu pensif, tu vois, avec Fortnite, genre, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En fait, ils ont tellement de thunes Fortnite que je sais pas prédire les moves qui peuvent se passer, tu vois. Mais objectivement, tu vois, leur jeu, il fut bien. Mais là, il faut arrêter, quoi. Tour en 98 à l'ancienne. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Quoi ? Il faut vraiment qu'il fasse un truc par rapport au D5. Ça suffit, hein. J'en ai marre de me prendre des D5, les gars. Chat. Pour voir qui est un peu un ancien. Qui les gars, allait dans des salles réseau, etc. Une heure, 5 euros, c'était pas donné. C'était pas donné, les gars. Bah, moi, je suis coupable, les gars. Je suis coupable. Je suis coupable d'être allé jouer à 1.6 et à CSS pendant des nuits dans ces salles obscures où on perdait la notion de l'odeur d'un être humain et de pourquoi servait un parfum. Je suis coupable, chat. Voici leurs histoires. Par contre, à la Galil, y a pas à chier, elle massacre. C'est... Elle découpe de l'être humain, la Galil. Allez, go, on avance. C'est la CR56? Yes. T'as beaucoup joué à 1.6? Écoute, j'ai joué... Vous connaissez maintenant... Enfin, je sais pas. Bon, ouais, vas-y. On va le dire vite. Alors, j'ai 1000 heures sur 1.6, un peu plus de 12 000 sur CSS. Non, tu vas pas prendre la voiture et te barrer. Mec, si tu fais ça, je te tue. Un peu plus de 12 000 sur CSS. On est à 6 000 sur CSGO. Non mais les gars, je vais vous dire à quel point, les gars, j'étais fou. Je vais vous le dire. Déjà, j'allumais le mode deathmatch, les gars. Et je partais pour, on va dire, 1h30, 2h de deathmatch. Avec de la musique à fond dans les oreilles. On partait sur du I'm Blue d'Abedi d'Abeda, Lady Gaga, Alejandro. Il y avait plusieurs choix, tu vois.
Mais à la fin, j'avais la game ultime. Tu tires au pigeon ta game. Non, mais en fait, il circule à côté de moi, c'est pangolin, je sais pas pourquoi. Ils sont à moitié fous, Pat. Je sais pas à quoi ils pensent. Pas comme lui là, regarde. À quoi il pense, tu, à ton avis, en se foutant le feu lui-même et en me tirant dessus avec une MK2, Pat? C'est des drogués, ces mecs-là. C'est une machine à Gaël parce qu'elle est pas simple. Non, si, en vérité, si t'adaptes bien ta sensibilité, elle est simple à Gaël. C'est juste qu'elle lève un peu. Il faut que tu prennes le réflexe de reculer la souris quand tu tires. Oui. Mais non. Oh oh. Il y a du monde dans cette zone, hein. Et je me suis fait bait par un parachute. Merci Damzy pour le sub. Le regen HP au bon moment. Le regen HP, perfect timing, gros. Du coup là on va faire une petite escale. Une seconde. Doublé de shot là les gars, hein. Je pense pas qu'il ait aimé celui-là. Foulé de shot encore. Ah ouais. Voilà, ça me plaît que tu t'arrêtes pour me tirer dessus. Et arrête. C'est pas le lieu ni l'endroit pour se re-shield. Vous avez entendu? Il y a un mec qui vient de se faire charbonner à... Soit il y a un mec qui sort d'ici 4 secondes, soit il y a un mec... Voilà, c'est lui qui vient de se faire charbonner. Il m'attendait derrière le mur caché. Par qui est-ce qu'il vient? Ah, allez. Ok, je suis dans la merde. Il y a un mec là-bas qui me shoot comme un ouf. Tout va uniquement au niveau de la tête. Drone? Est-ce que je claque un drone ou est-ce que je prends un masque vu que je vais me faire push par le gaz? Je suis joueur. Ah, j'aurais mieux fait de pas jouer. Le mec là dans les carcasses d'avion, les gars, je vous le dis, il est chelou. Bien. Oh. J'ai marqué une cible. Je vois rien, les gars.
ni à gauche ni à droite. C'est lui le cheater. Alors la zone, ça dit quoi? Qu'il n'y a rien qui est en zone. Vas-y, tu sais quoi, on va pas aller près des bâtiments les gars. 21ème kill qui vient d'être pris. On avance. On essaie de clear la zone les gars un peu. Mon gauche, il n'y a rien. Là il faut que je clear ma droite et autour de moi. C'est pas forcément giga évident. Attention, le gaz se rapproche. Je vois rien. J'y vois. Dayto, t'es à 200 sublift, gros. Je suis dans la merde. Il y a le camion qui me bloque et il y a le joueur aussi. C'est bon, je me suis débarrassé du joueur. Ok, il reste 6 personnes les gars. Je vois personne qui se déplace vers moi. C'est un Dayto, merci encore énormément gros. Je push par le gaz, sac à merde. J'ai marqué une cible. J'ai une cible ici. Il en reste 5. Ok. Ok. Sur le bord de zone, les gars, je suis bien. Je pense qu'il doit y avoir un mec caché là, sûrement un là-bas. On temporise. Gaz en approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Ok. Yes. Confirmation de ce que je disais, vous avez entendu la balle de car partir? Ça va être le troisième camion que je dois tuer quoi. Il y a zéro cover arbre. Ah, où est-ce qu'il est le dernier? Compliqué cette situation.
Ok, apparemment ils se sont rencontrés les deux. On va essayer d'y aller. Peut-être 27 kills pour moi. Je vais comme je l'ai toujours fait les gars, en étant agressif. Daito, pour toi, c'est leur pote. Je vous avais dit que je vous ferais une game à la Galil ce soir, chat. Je vous l'avais dit.